La plage des Grands Sables, la plus longue de Baie-Lambert. L'île d'Ouatt. Et à l'horizon, là-bas, la tache blanche, la pointe de Quiberon. Elles sont vieilles, non? Ouais. Je sais pas s'il y en a. Bah, j'en ai vu deux, enfin une ou deux, pas plus. Allez, je vais voir. Merci. Bonne pêche. Des bijoux. De l'or. Thank you.
la petite plage de Port Maria, du côté de Loch Maria. En 1761, il y a eu des combats contre les Anglais sur cette plage. Les aiguilles de coton à Port-Coton. On aperçoit un canon en haut sur la corniche. Ici, c'est la plage de Port Andreau. Là aussi, il y a eu des combats contre les Anglais. Toujours du côté de Loch Maria, au lieu-dit Port Losca, sur la côte sauvage. On peut voir les restes d'un escalier taillé dans la falaise, et là, juste en bas, sous 10 à 15 mètres d'eau, gît l'épave du prince de Conti, coulée en 1746.
et qui transportait, entre autres, des lingots d'or chinois d'un poids d'environ 370 grammes pièce. La plage de Port Querelle. La plage des Donnants, le spot des surfeurs sur Belle-Île.
La plage du fort Debord. La plage de Port-Fouquet. Elle doit son nom à l'intendant de Louis XV, Nicolas Fouquet, qui débarquait ici. La légende dit qu'il aurait caché un trésor sur l'île avant de se faire arrêter et de mourir en prison. La citadelle Vauban du Palais, qui fut donc prise par les Anglais en 1761, et pendant 2 ans, Belle-Île-en-Mer sera territoire anglais.
le château de Turpeau, à la pointe de Quiberon. Résultat de ma balade à Belle-Île. Bon, pas terrible. Je pensais faire beaucoup mieux, mais il y avait beaucoup trop de sable. Sur toutes les plages et tout le tour de l'île. Un peu d'or, mais sans plus. Donc, pour la balade, je vous recommande Belle-Île en mer. On peut y voir des plages qu'on ne voit nulle part ailleurs, encaissées par les falaises. C'est plein de criques. Il y a sûrement de bons spots, mais il faut y passer au bon moment. Et pour la détection, attendez l'hiver prochain. Allez, à plus.